Alors, Red Bull a déclaré qu'ils prendraient leur décision concernant le moteur 2022 d'ici la fin de l'année. Nous devons commencer à réfléchir à notre partenaire moteur dès maintenant pour 2022 et il nous faut de la clarté d'ici la fin de l'année, explique Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. Comme Helmut Marko l'a dit, nous devons considérer toutes les possibilités, toutes les options, mais c'est à Dieter Matesic au final de décider. Ce qui est certain, c'est qu'il nous faut assez de puissance pour aller défier Mercedes dans les prochaines années. Horner n'a pas caché son appel du pied à Renault, expliquant que la marque avait changé avec l'arrivée de Luca de Meo. Et c'est bien l'option la plus logique puisque prévue dans les règlements de la FIA au cas où une équipe se retrouverait sans moteur. Bien sûr, je peux comprendre que tout le monde croit que nous allons parler avec Renault, ajoute-t-il sans en dire plus sur le sujet. Le Britannique confirme toutefois que le rachat de la propriété intellectuelle du moteur Honda est sur la table. C'est d'ailleurs, selon nos informations, une option qui sera discutée aujourd'hui entre les trois dirigeants de Red Bull. Si Red Bull doit se lancer dans un programme moteur, il ne faut pas tarder. Par contre, Horner ne croit pas à l'arrivée de nouveaux motoristes avant un changement clair de moteur pour la F1, c'est-à-dire pas avant 2026 de quoi mettre un coup de frein aux rumeurs d'une entrée en F1 de Volkswagen ou de Porsche à court terme. Le coût pour un nouveau motoriste dans le cadre de la réglementation actuelle est tout simplement beaucoup trop élevé. Il n'y aura donc pas de nouveau constructeur avant la mise en place d'un nouveau moteur, peut-être en 2026. Les coûts de développement sont extrêmement élevés. Les FIA et Liberty doivent maîtriser ça. Elles ont fait du bon travail sur le châssis. Nous avons besoin maintenant de moteurs homologués et nous avons également besoin de plafonds budgétaires pour les unités de puissance. Il devrait y avoir des réponses sur ces sujets d'ici 6 à 12 mois, normalement. Bon, bah écoutez, peut-être qu'on saura du coup quel moteur ils utiliseront, Red Bull, d'ici fin 2020, peut-être décembre, peut-être janvier 2021 au plus tard. Donc on verra ça, on a hâte de savoir en tout cas, parce que là, clairement, c'est la grande inconnue pour tout le monde. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir, comment c'est vous? Chez qui Red Bull doit aller? Ciao.